Donc j'ai repris en mai 2021 l'entreprise Alugé, qui est à Écouflant près d'Angers, qui fait des gouttières et des couvertines en aluminium en continu. C'est une entreprise avec 24 salariés. Nous avons 14 équipes de pose, donc 14 camions équipés d'une profileuse qui sillonne les chantiers du Grand Ouest. Donc sur la reprise à proprement parler, la société était déjà structurée. L'enjeu pour moi, c'était de prendre la main sur une activité et dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, avec une problématique liée à la guerre en Ukraine, à la hausse très importante des prix des matériaux, et puis à des clients que je ne connaissais pas, mais ça c'est le fait de toute reprise. Donc, c'est un marché qui en essor important, puisque le zinc traditionnel est toujours très implanté. Il y a encore aussi beaucoup de constructions en PVC, donc il y a beaucoup de parts de marché à conquérir. Et des nouvelles utilisations, notamment depuis février 2023, on a une explosion des constructions d'ombrières photovoltaïques sur laquelle les gouttières aluminium viennent apporter un vrai plus en termes techniques, esthétiques et en rapidité de pose également.